Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. On joue son trou pour la Woodfoot. Et voilà. Lourde en plus. Ouais, je prends le premier truc, enfin les deux premiers fascicules, la petite pub, voilà. Donc, le thème, c'est Ghost. Parce que nous sommes au mois d'octobre. C'est ça. Alors, l'item... Oula, c'est un truc bizarre, c'est lourd. C'est... Une tasse Star Wars. Un mug Star Wars. Bof. Pourquoi Ghost? La menace fantôme? Oui, bah oui, j'imagine. C'est bizarre. Ah, par contre, je pense que c'était ça qui faisait la... Le poids. Oui. Avec le début du speech du film, quoi. Il y a très très longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Bah, c'est pas mal. Après, c'est une tasse noire, donc c'est passe-partout. Enfin, c'est passe-partout, ouais, clairement. C'est passe-partout, elle est pas moche, elle est sympa, elle est très sobre. C'est Star Wars. Mais... Après, je trouve que ça va pas du tout avec la thématique. L'objet, bah, je l'aime bien. Enfin, franchement, ça va. Ça reste une tasse. Ouais, ça reste une tasse, mais ouais, je sais pas. Pour un longo, je pense, pour la quantité. Ouais, c'est un bon volume en plus, mais je sais pas, je suis pas enthousiasmée particulièrement, quoi. Ouais, tu peux mettre ton thé, hein. Ah. Ah, oh. Oh, c'est le t-shirt. Vas-y, tire d'à côté. Ah. Ah ouais. Oh, excellent. Alors, alors c'est Pokémon. C'est comme le salamèche. Oh, il est trop bien. Ah, c'est comme le salamèche que tu avais eu dans la Woodbox. Ouais, c'est la suite. Est-ce que Benjamin, il adore, c'est pas compliqué, il adore Ectoplasma, c'est son Pokémon préféré. Ouais, là je le trouve trop bien, c'est pour ça qu'on a la peluche aussi qui est... Qui est là-bas avec, ouais, avec les peluches d'Halloween. Elle est sympathique comme tout cette gamme. Attends, c'est bon, je l'ai même pas vu. Blanc et mauve en plus, c'est ah joli ouais. En plus c'est pas un super carré, enfin c'est trop bien, ouais, enfin, mais... j'aime bien la forme... C'est un trapèze. Ouais. Non, c'est très, franchement très cool chouette. En plus, enfin, ouais, mauve et tout, je m'attendais pas du tout à... Un t-shirt comme ça, je savais qu'il y avait Ectoplasma. Ça me paraît logique maintenant. Je savais qu'il y avait Salamèche, qu'il y avait Pikachu, sûrement qu'il y avait Carapuce et Bulbizarre, mais je savais pas qu'il y avait Ectoplasma. Ah ouais, là il est top. Il est vraiment top. Ouais, ah, j'adore. Ah, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que dommage que tu portes pas ton Salamèche aujourd'hui. Bah, je savais que hier, pas... tu l'avais hier. Voilà. Bon, bah. Tu l'avais hier, Salamèche. Excellent. Ah, vraiment, ça c'est chouette. Ouais. Bah, en plus, je l'avais sali, mon Salamèche. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu n'as pas sali? Oh, c'est quoi? C'est à moi, ça t'a bah oui, bah, je sais pas. Alors, Pac-Man... Oh! C'est quoi? C'est une petite boule anti-stress, un duo de boules anti-stress, je pense. Par un bout? Mais oui, c'est les petits fantômes de Pac-Man. C'est ça. Ça a l'air dur. Ah non? C'est dur. C'est des shooters? C'est des... C'est des coquetiers? Ah, oh, d'accord, c'est pour mettre quoi? Ah, c'est oh ouais, cool. C'est trop bien. Ah, on en a cool. Pas des trucs comme ça, en plus. Nous, on fait comme des gros sacs. Bah, on a le moulin, quoi, et on moule notre poivre. On avait le moulin parce que... Oh non, mais ça c'est encore mieux. Oh, ils sont chouettes. Ah, ça c'est trop bien, c'est une très bonne idée, hein, franchement. Ah, ils sont chouettes, franchement, ils sont chouettes. Là, pour le coup, j'avoue, c'est les fantômes de petit Pac-Man, là. Ouais. C'est bien, en plus, ça s'enlève facilement. Le petit chplop, là. Ah ouais, j'aime bien. Franchement, c'est cool, ça. C'est une bonne box pour le moment, franchement. Ouais, là, t'as tout. T'as tout pour la table. Ouais. Comme ça, t'es pas à poil parce que t'as un t-shirt. Donc ouais, c'est vraiment pour le truc de la table. C'est vrai que là, pour le coup, on est sur l'esprit confinement, rester chez vous. Et ça n'est pas vrai. Et pas la box précédente où t'avais le truc de voyage et tout. Là, c'est un peu... Alors, je prends ça. Vas-y. Ah, c'est le pins. Alors, c'est pas le pins de maintenant. Du mois précédent. Le pins de la box précédente. Qui était timeless. Et du coup, le box, enfin, le pins de cette box-là arrive, sera dans voilà, le mois de juin. Suivante. Voilà. Soyez, faut suivre en fait. Moi, je vais pas suivre. Mais t'as eu le pins. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, t'as la figurine, mais elle te spoil pas. Oh, Ghostbusters. Ah, on a pas du tout. On en a... Ah oui, le Slimer, elle était tout cool. Oh, ouais, mais celui-là est pas mal aussi. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est mieux que le distributeur de ketchup qu'on a eu bah, le mois dernier. Qui était très drôle. Oui, Benjamin a beaucoup ri avec ses figurines. Ouais, je l'ai mis en avant en plus. Mais alors, celui-là, il est pas mal. Oh, il y a plein de détails en plus. Ouais. Ah, sympa. Les lunettes un peu style Splinter Cell ou dans Alien vs Predator aussi. Et regarde, il a le piège à fantôme, c'est tu balances ton machin et puis ça s'ouvre et c'est genre comme une Pokéball pas... et ça attrape le fantôme. Si, c'est une Pokéball. Ah, elle est pas, je pensais qu'elle bougeait. Mais... Elle est vraiment bien, j'aime bien. Ouais, sympa. Franchement, il y a plein de détails, même sur le dos et tout. Ouais. C'est une bonne. Je crois qu'on a même pas vu en magasin, enfin maintenant ça date depuis. Ça fait 2 mois qu'on n'est pas allé dans un magasin. Bah, comme tout le monde, je pense. Non, il y en a qui font les courses dans les magasins. Oui, mais c'est tu t'as pas un, enfin je sais pas, Leclerc machin, t'as pas un rayon de figurines pop assez, même je crois que t'as même pas de rayon. Si, dans le Leclerc culturel. Oh oui, mais c'est juste 2-3 trucs. Et puis bah voilà, pour le nôtre, oui, mais peut-être qu'ils ont des plus grands. C'est vrai, bon bah en tout cas c'est une bonne figurine. Ouais, franchement pour l'instant la pop
la box elle est très chouette, à part la tasse que j'aime pas. Il n'y a pas de socle par contre, j'aime bien quand il y a des socles, je trouve que ça des fois ça, ça sert à rien, mais finalement quand on se cogne un peu partout, des fois il y a les figurines qui font celle-là, bah je pense qu'elle doit te finir. Hein. Attends, c'est pas oui, elle tient, okay. C'est bon. Parce qu'on a certaines, je sais pas, il y a un problème de. Hop. Tu l'as jeté, mais non, je la dépose. Oh. Non. C'est quoi ça? Attends. Ah, c'est un crayon sucre. Oh, la taille de l'emballage par rapport à la taille du produit. Ah, par contre, tu peux la prendre direct. Hein. C'est vrai qu'en magasin. C'est. Un crayon boue Super Mario. Ouais, bah, ça reste dans le thème, hein, écoute. C'est Wabou ou c'est Bou? J'ai pas vu l'autre sa tête. C'est juste. C'est Bou. Et attends, comment tu l'as dit? Tu tournes? Je tourne. Voilà. Faut juste tourner. C'est un petit crayon à billes. Oh, ouais. Ça reste rigolo. Enfin, ça fait vraiment coller, parce qu'en fait, y a, sur le bout, on voit du blanc carrément. Oui, mais c'est un crayon qui coûte 1,50€. Hein. Ouais. Se mentir, mais, C'est pas le meilleur item. Hein. C'est histoire de dire que... Bon, voilà. Non, casse pas ouais, le fait... Ça fait craque. Hein. Si tu pètes tout, déjà... Bon, c'est rigolo. Bah, je pense qu'une fois que ton crayon ne fonctionne plus, effectivement, vous pouvez faire comme Camille, péter votre crayon et du coup récupérer votre ça petit fait fantôme. Un tout petit crack. Et du coup, petit... ça fait un mini finger popette pour des mini doigts. Alors attends, juste j'ai envie de voir à quel prix vend le crayon et puis tout le reste du bazar. La pop, bon, 15€. 5€ le crayon. 5€ pas cher. Oh, le pins en plus était un pins de. Spirit Ways. C'est. Le voyage de Chihiro. Oui, c'est ça. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix. C'était très bien. Oui, c'est un de mes préférés d'ailleurs. Ouais. Je trouve que l'ambiance est pas mal. Elle est géniale, ouais. La colline au coquelicot aussi, très très chouette. La méga out, il y a carrément Bibendum cramé là, en version marshmallow. Ouais. Et regardez, on n'a pas fini pas mal, parce qu'il faut aussi qu'on retourne la box. Oui, c'est vrai que la dernière fois on n'avait pas on fait. On l'a pas fait parce que c'était pas ouf. Hein, c'était pas joli. Ça y est, bon, j'ai galéré à monter. Par contre, Woodbox 2015-2020. Rest in peace, est-ce que ça voudrait pas dire que c'est la fin? C'est la dernière année de Woodbox. Ouais. En vrai, ça fait un peu ça. Ouais, ça fait ça. Parce que, par contre, aussi, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont mis RIP, donc Rest in peace, donc repose en paix. In peace. RIP, in peace. Donc c'est très, très, très en paix. Vraiment. On... Ouais, mais je pense pas qu'ils savent ce que ça veut dire, je pense. Enfin, je sais pas. Sans vouloir dénigrer. Sinon, c'est une référence à quelque chose qu'on connaît pas éventuellement. Peut-être, je sais pas, Rick et Morty, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que RIP in peace, c'est quand même très très rigolo. Après, je sais pas pourquoi ils ont mis ça en fait. C'est ouais. De la fin. Ou alors pour eux, ils ont fait juste ça. Ouais, ils ont fait juste comme ça, trop le lilo là. C'est nous qui réfléchissons un peu trop sur un packaging de box. Mais il n'empêche qu'il reste sympathique. Il ouais, est rigolo. J'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas. Comment tu regardes ton bout? Bah, je trouve que ouais, j'ai vraiment eu il un fait cheap en fait. Attendez, t'as peur. Screamer! Ouais bah attends, il va pas, ça va faire tout flou. Non, je trouve que c'est, enfin je sais pas. Après il est mignon, hein, mais même pour écrire, non mais vas-y quoi, t'as carrément la grosse boule dessus. Quoi. Mais bon, après dans l'ensemble j'ai bien aimé cette box. Ouais, à part la petite tasse, vraiment je sais pas pourquoi je n'aime pas. Et clairement je vois pas le lien avec, par la menace fantôme, puisqu'il y a fantôme dedans quoi. Ouais, ghost, je sais pas. Il y a peut-être un truc encore. Mais en fait à chaque fois qu'ils mettent quelque chose en lien avec Star Wars, j'arrive pas à trouver en fait. Enfin, je sais pas. Si, parce que t'as les box de décembre où c'est toujours Star Wars avec deux méga Woodbox. Ah peut-être pas cette année, attention. On sait pas. Non. Ah c'est vrai qu'il y a pas de film Star Wars cette année. Attention. On verra bien. Bon, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette box. Attends, si vous êtes abonné et que vous l'avez reçu. Tadam, il est là, puis il cherche le fantôme. C'est vrai que ça fait une tour de... Non, mais ça va bien. Oui, en plus, ça je t'ai dit, ça il a son piège à fantôme. Il a son piège à Pokéball à fantôme. C'est trop bien, tout est lié. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. À vous partager. T'es pas sur le même t'es pas sur le même YouTube là. C'est le confinement. D'ailleurs je parlais à une mouche. Ok bah n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait, on vous dit une prochaine. Et à partager la vidéo. Salut.